Moment PAM, c'est toujours présentateur nous, Carl Saint-Cyr, qui est ensemble avec nous pour présenter nous émission PANOA. Émission ça que moi fait sur la plateforme Fernando Simea. Et une émission qui passait du lundi au vendredi et sur plateforme Fernando Simea, sur channel YouTube Fernando Simea. Et pendant un moment ça, nous avons remarqué que nous pas tellement ouais et émission Moment PAM et sur plateforme, donc nous avons une petite pause. Donc, nous décidons de retourner pour venir servir vous, pour venir partager et ça nous connaît ensemble avec vous, pour venir parler ou de des sujets qui certainement nous connaît, qui sont capables d'intéresser vous. Donc, d'abord, je vous dis merci pour fidélité nous avec les plateformes Fernando et Simea et merci tout pour fidélité nous avec l'émission Moment PAM. Donc, tant qu'on nous connaît et pendant une semaine, ça, donc pendant. Parce que la semaine, ça a commencé là. C'est le carnaval. Et nous connaissons le carnaval qui rentre dans la tradition. Et chaque année, chaque commencement d'année, et toujours gagné carnaval et en de pays. Et nous connaissons le carnaval là, c'est une plus grosse manifestation culturelle et que nous sommes capables de dire qu'il gagne en Haïti. Parce que le carnaval, c'est une manifestation culturelle qui gagne en Haïti qui compte parfois mener en pile étranger. Et venir dans le pays. Mais malheureusement, depuis quelques années, le carnaval là vient pas qu'à fête et j'ai été qu'on fête avant. Donc, tradition, ça, son tradition presque perdue pour pas dire qu'elle est pour aller net. Et parce que depuis quelques années là, nous rendons compte que nous avons fait carnaval dans le pays. C'est pour ça que nous presque qu'à parler de lui à cause de problèmes politiques. Et deux dernières années, ça a été gagné. Et COVID-19 qui est entré en ligne de compte. Mais il y a un aspect qui dérange le carnaval la plus, c'est tout politique qui gagne pendant plusieurs années en de pays. Parce que nous connaissons que depuis quelque temps, le carnaval la vient pour un outil politique. Donc, en pile événements qui sont en de pays, nous faisons retourner les outils politiques, nous utilisons pour nous faire propagande politique. Fête patronale qu'a fait à travers le pays, a tourné comme outil politique, n'est qui député, n'est qui magistrat, y a servi avec événements culturels, ça pour faire capital et politique. Yo, même gens, et n'a fait pour carnaval là, et c'est pas pour sans raison, ouais. Même l'État haïtien, et on s'y en réticent pour le bail service, non, c'est de l'autre domaine, non, c'est de l'autre besoin social que la population et les gagnants. Mais quand il s'agit de carnaval, et nous trouvons que M. Damien toujours avant-garde. Pour faire et événement ça au marché. Donc, malheureusement, et année ça, et tant que l'autre année qui se passe, et nous voyons comment événement et carnaval se sont passés. Donc, le gouvernement a annoncé que dans un premier temps qu'il a fait carnaval. Donc, il vient dire qu'il n'a pas fait carnaval encore. Il a permis que ensemble commune qui a voulu organiser carnaval là, pour organiser carnaval. Mais moi, je suis critique et sur question ça à tout. Parce que son commune qui a organisé le carnaval, parce que je regarde plusieurs communes qui ont fait carnaval, il y en a remarqué qui me fait, donc il y en a un problème que je vais gagner. C'est que moi, commune, en plus de fois, j'ai essayé de copier ça qu'a fait Port-au-Prince, dans ça qu'il y a vendu, dans le décor, dans le déguisement. Et par exemple, si je regarde un carnaval qui a fait Gonaïves, qui a fait Hinche, donc je ne suis pas obligé de déguisement ensemble avec déguisement qu'on a fait Port-au-Prince déjà, ou bien déguisement qu'on a fait Jacmel. Bon, Jacmel est plus ou moins originalité dans la question ça. Donc, Jacmel son référence en termes d'esthétique, en termes d'image. Jacmel son référence. Mais, nous avons mis de l'autre commune qui a organisé le carnaval dans le pays pour comprendre la nécessité que ces images communes, ces habitudes pratiques qui gagnent dans la commune, ça a gagné comme coutume. C'est au même pour vous. Parce que moi, si je me déplace mal dans le carnaval, et par exemple, pour 80. 15% d'images qui m'a regardé, donc c'est des images qui reflétaient et réalité. Donc, les m'a regardé pour m'a posé question sur lui pour me dire qu'est-ce que ça et qui genre de bagarre que lui. Donc, je pense que c'est ça et qui est important. Et c'est là tout que je pense que je peux être critique par rapport avec Carnaval qui a fait en province. Mais Port-au-Prince, pendant 3 jours, puisque je dis à ce 3e jour, il y a un chat qui sorti. C'est DJ, pas quoi, il y a un groupe musical qui sorti Port-au-Prince. C'est plus et DJ qui sorti, ou quoi Tony Mix et sorti, ou quoi DJ Cash Cash qui sorti, gagne de l'autre chat DJ qui sorti. Donc, wap gade,
et moun ki pral pran plis, malgré problème insécurité, malgré kidnapping, et malgré tout et ça nous connaît qu'à passer dans le pays, ya, mais moun yo obligé sortir al défouler quand même. Moi, grand pile moun et qui pote critique avec ça, qui dit que moun yo, et pas de al nan carnaval. Et oui, m'ka comprendre, et question sécurité, et question route, kidnapping, tout ça, yo, et poser de ces problèmes. Mais, là, nous avons des gens qui concentrent la caillou. Parce que depuis quelques années dans le pays, je toujours dit ça dans l'émission, ça, depuis quelques années dans le pays, ça que nous avons les loisirs, ils presque pas existent en Haïti encore. Donc, nous n'avons pas qu'à sortir à divertir encore. Donc, principal loisir qui est en Haïti, là, c'est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qui sont espaces virtuels qui transforment en loisirs pour nous. Donc, c'est sur les réseaux sociaux qu'on lorsque tu as la caillou, plus que par exemple, on regarde la télévision, car on a un téléphone, Android, pour regarder ça qui a passé sur Facebook, ça qui a passé sur Instagram, ça qui a passé sur TikTok. Donc, c'est ça pratiquement qui a amusé mon. Donc, ça fait conseil de monde qui est relativement populaire sur les réseaux sociaux, qui a critiqué yo, façon qu'il y a 20 et tête, mais façon qu'il y a 20 ça, qu'il y a 20 ans, qui a critiqué yo, qui dit que c'est des barres triviales. Oui, je comprends, mais faut nous connaître que les réseaux sociaux ont changé et habitude en pile monde à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti. Donc en pile pays pour y a et c'est deux émissions, c'est deux shows et qui plus tourné vers divertissement que moun yo plus regarder. Et c'est pas seulement en Haïti, moun yo a regardé une série de shows, pas besoin de citer nous, mais c'est pas seulement en Haïti que moun yo a regardé. Donc nous pas tant qu'on était dans le 20e siècle, côté que nous tenons temps littéraire, côté nous était plus intéressé pour yo li. Mais qu'on y a là, donner au changer. Et nous comprendre tout que la société n'est pas statique, elle est dynamique, donc elle a appris à évoluer. Donc c'est de jour en jour, il y a de nouvelles habitudes, et qu'après entrer de nouvelles pratiques, de nouvelles coutumes, qu'après entrer et la caille. Donc, qui vient faire que en Haïti, les gens qui sont à la caille, et n'ont pas qu'à sortir, donc n'ont pas qu'à décider la quitter caille, ils vont aller sur une place publique. Pour le fond 2 heures de temps chita pour le bon vent. Il vient faire que mon nom, c'est là qu'elle était. Donc, pas un courant pour regarder la télévision. Donc, il faut que le bon bagage pour le divertir. Bon, après, le monde qui a regardé là, là, il dit que mon nom fait sexe. Mais sexe là, c'est pas seule option gain et pour mon divertir. Donc, il y a de l'autre bagage et tout. Donc, il faut que mon nom recréer. Donc, et ça, il est bon pour santé mentale et tout. Donc, l'autre ou bon dans la situation, son pas qu'à sortir. Donc, ce téléphone là comme espace virtuel qui vient transformer en loisir. Donc, qui vient faire que pendant ce maintenant, si y a deux personnes qui décident d'aller défouler et chaud de masse, au moins, ce n'est pas un mauvais bagage. Sauf que nous avons toujours demandé pour faire prudence et nous avons toujours demandé pour veiller et pendant qu'il y a sorti. Mais nous pas qu'à prendre pour mauvais bagage parce que y a des personnes chaque dimanche qui sortent à l'église, qui chaque jour sortent là qu'à ouvrir l'église. Et yo pa kidnappé, qui va les monde qui parle l'église que kidnappé pasteur ou charemi yo sont kidnappé là, c'est pas la caille que t'as prendre là. Donc on va nous comprendre que c'est parce que nous être la caille que pas pas kidnapper nous parce que grand pile monde c'est la caille que yo t'as prendre yo. Donc c'est pas dans carnaval que kidnapper yo, donc c'est la caille que yo entre yo prendre yo. Il y a des monde c'est dans zone la caille que yo prendre, il y a des monde c'est bon place publique que yo prendre yo. Donc, qui vient faire que soit garder et soit mesurer les questions de prudence dans le pays, je pense que c'est eux qui vont faire avec tête. Donc, je ne vais pas dire pour la récolte dans la rue à n'importe qui, gens, sans qu'on ne pas garder et qui mal le carreau. Mais dans la condition que nous avons pour nous là, oui, prudence en de mise, mais est-ce que nous avons été concentrés donc ça n'a pas sorti, ça, je ne sais pas et que nous avons fait. Donc, et mais tout, je pense que ça n'est les traditions en Haïti, nous n'avons pas trop de respect pour eux. Et ça paraît symbolique pour nous, nous n'avons pas trop de respect pour eux. On a regardé les journées nationales comme de très souvent au passé. 18 mai, 18 novembre, 7 octobre, nous souvent comme au passé. Donc je pense que par rapport avec la fierté nous comme peuple, par rapport avec ça que nous faisons déjà dans l'histoire, nous. Je pense que c'est une série de bagages qu'on va jouer avec eux. Je pense que c'est une série de jeux symboliques dans le pays. Nous allons devoir politiser eux pour quitter le passé. J'aimerais qu'il y ait passé là.
Parce que l'année à 365 jours là-dedans, nous n'avons pas qu'à dire que nous avons fait manifestation, mais en plus, c'est juste symbolique, c'est juste important. Nous avons toujours choisi pour nous dire le mode, mais qui ça nous a fait, mais qui ça nous a fait pas bon. Donc, qui pour moi, c'est un mauvais bagage. Donc, pendant 3 jours et carnaval là, dans la capitale là notamment, et jusqu'à présent, moi, pas tant de gros incidents par rapport avec tout le monde qui est victime. En fait, je ne sais pas pour pile devant. Alors, même si je ne vais pas parler pour jouer, parce que je dis à carnaval là, fini. Je ne sais pas qui ça a passé, mais jusqu'à présent là, et on dirait que mon yo fait bon enfant. Certainement, il y a des gens qui victimes, il y a des gens qui blessés parce que c'est carnaval. Donc, le carnaval là, il y a une logique pour être là-dedans tout. Je ne vais pas ignorer ça. Mais jusqu'à présent, nous parlons de gros incidents pour des gens qui mourent. Il y a des gens qui sont blessés et dans le carnaval. Donc, en gros, c'était ça que je voulais parler avec nous de l'activité carnavalesque qui gagne pendant le commencement de semaine dans le pays. Et puis, je te souhaitais faire parler nous tout de quelques jazz qui sont sortis album et pendant le moment ça. Harmonique et sorti album ni, et Gabel sorti album ni tout. Donc, Harmonique et Gabel, c'est pratiquement deux jazz qui semblaient. Et ce n'est pas semblé dans la caractéristique ou bien dans l'offre musicale qu'il y a, by, non? Mais c'est deux jeunes et groupes musicaux. Pour Gabel, c'est en 2006 qu'il a fondé Harmonique. Et c'est presque même année à tout, même époque à tout. Je ne sais pas exactement parce que Harmonique, il a 14 ans pour année ça. Gabel, il a 16 ans et année ça. Et il a presque même force et album. Et Harmonix, son cinquième album, ni là. Donc, dernier album que Harmonix sorti à là, c'est cinquième album, ni. Album qui a 13 titres et sous lit. Album Narré les maturités. Par contre, si vous avez déjà, moi, j'ai commencé à dire quelques musiques sous lit. J'ai une remarque que moi fait, que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et puis, j'ai Gabel qui sorti album, ni, qui est les béni. Et qui gagne plus qu'une dizaine de titres et sous lit. J'ai deux artistes. Et tant que Richel qui participait là-dedans, puisque avant l'homme n'était sorti, monsieur était sorti son musique avec Richel qui relève nos comparés. Donc malheureusement, la musique n'a pas beaucoup fait ça, lui fait ça, par rapport avec non seulement dimension et jazz, et puis dimension et artiste et qui feature, non, en parlant de Richel, puisque qui trouve le probable, Richel c'est artiste moment, c'est un artiste forme qui imposait l'inan et là. Donc l'organe artiste tant que Richel, pour un chat ensemble avec vous, donc vous gagnez. Déjà 60% chance pour musique là li involve pour musique là fait succès. Donc et qui vient faire que et malheureusement nous connaissons gen ça à tout les jazz ont sorti album. Donc faut que regarder si pas gon bagaille et si pas gon bagaille qui pour le fait si pas gon on sorte d'événement pour le passer que ka fait moun yo manquer focus et sur album là. Et m pa konnen si album Harmonique là et album Gabel la sorti dans mauvais là parce que dans moment là. Et presque ça qui est bien actualité, c'est ça qui a passé en Europe là, et précisément en Russie et avec l'Ukraine. Et c'est ça qui est bien actualité, c'est ça qui est bien débat qu'on y a. Donc, qui vient faire peut-être que c'est mon propos et focus sur l'album et Harmonique là. Alors, on a sorti un petit peu avant ça, mais l'album Harmonique est sorti tout récemment là, c'est dans la semaine et qui se dans fin semaine qui se passe à l'album a été sorti. Et sur l'album Harmonique, il y a deux artistes, deux jeunes artistes et très populaires que nous connaissons qui participent sur lui. Et il y a Pierre-Jean qui participe sur l'album en chantant musique et avec Magdi. Il y a Danola et il y a un jeune artiste et femme qui a un pile talent et qui fait succès tout avec un pile musique que nous connaissons déjà, qui participe dans l'album. Et on pourrait gagner Méchanceté, des rappeurs qui participent dans l'album tout. Qui vient faire que, mais moi, remarque que m'a fait sur l'album Harmonique, surtout avec les collaborations. Et je sens si, je ne peux peut-être pas avoir raison, mais je sens si que monsieur prend collaboration avec un pile de légèreté. Monsieur, il était manqué préparé et musique et qui adapté avec monde qui a artiste qui a collaboré ensemble avec lui. Parce que je me dis, ni musique qu'il a fait avec Danola, ni musique qu'il a fait avec Pierre-Jean. Pour moi-même, moi, je sens que je mal utilisé talent ça, dans la musique. Parce que, oui, c'est vrai, rapper sur la musique, il m'a donné le talent. Dalen, quand on m'a parlé avec, Dalen, c'est rappeur, il m'a donné le talent. Donc, et Master Brand, et monsieur excellent et dans la ça. Wenzi, comme rappeur, et monsieur excellent dans la ça. Donc, il n'y a pas n'importe quel rappeur qui apprend sur la musique compas
Donc, pour penser qu'il a passé bien, donc ça allait dans le talent, et certainement. Donc, et Fantôme fait plusieurs expériences dans la musique et compas déjà. Et ça passe pas trop marché. Donc, bon, mon là qui dit Isolant avec Karimi. Oui, Isolant Karimi, c'est ton cas. C'est vrai, dans l'époque là, tout. Et pour qu'il y ait tellement de rappeurs qui tapent monté. Donc, l'époque là, c'était Barricade, c'était Wokfam. Pas tellement de tout talent, ça. Et dans la créole là, dans HMI là. Donc, oui, Isolant t'es fort, t'es fait un bel succès avec et en musique Karimi. Je me crois que c'était Kitanago, si je ne me trompe pas, si je me trompe, monsieur a éclairé en tête moi. Mais, rapper sur musique, on parle de l'autre talent. Et c'est ça, je me remarque dans la musique harmonique, chante avec. Alors, dans la musique, méchanceté, chante sur l'album harmonique. Je me sens que monsieur a bien exploité et talent méchanceté. Donc, ce n'est pas juste qu'on passe passer là et puis on va venir, il met deux, trois bassos et puis c'est fini. Parce que bon, gens pour entrer dans la musique là, bon, gens pour faire mon. Et qui pourra des temps de musique la qu'à chanter bien facile. C'est ça qui est important. Et puis Dano là tout, et pour moi je me sens mal exploité Dano là sous album là, parce que pas oublier Dano là un style musique et que l'a chanté. Donc soit mettre Dano là sur musique compas, parce que c'est parti par là, t'as dû adapter avec style propre, style original. T'as dû adapter avec ça. Pour Mounio, où est-ce que c'est Dano là qu'a chanté? Idem pour Pierre Jean. Donc, et si nous faisons une comparaison entre l'album harmonique qui fait déjà yo, avec ça qui sorti là, yo, bon, comme l'album qui fait sorti, donc ça prend du temps pour nous apprécier la musique, yo, pour nous connaître texte. Mais et dernière production que harmonique fait, je parle ah bon, disons avant dernière production harmonique qui fait, puisque c'est ça dernier. Donc, je me sens que la production est baissée. Nous sommes baissés dans le côté musical. Mais l'IB, c'est tout dans le côté texte. Parce que l'obtention de musique incroyable, l'obtention de négocier, l'obtention d'exister, son musique concernant et qu'elle soit chantée. Donc l'obtention de musique, c'est avec ça qu'on a des connus. Au senti, et niveau production de jazz en l'IB, c'est. Et c'est. Je ne sais pas si c'est si marché pressé. Parce que année, ça a grand pile de jazz qui va sortir l'album. Donc, il y a Zafem qui va sortir l'album, il y a New Look qui va sortir l'album, il y a Class qui va sortir l'album. Donc, l'organe jazz qui va sortir l'album, c'est gros ténor qui est. Donc, ou même, vous obligez de faire un genre là, vous êtes en la guerre pour le public là, habitué avec elle. Mais, ça que on monde qui reconnaître la carrière et harmonique, et ni Gabel tout, c'est que deux jazz ça, ils ont gagné un style propre à eux-mêmes. Donc, l'obtention de Gabel, l'obtention des harmoniques, ou qui t'a connu que c'est yo obtention. Contrairement avec conseil de l'autre jazz, par exemple, T-Vice. C'est problème ça que je toujours gagne avec T-Vice. T-Vice et année 2000, après année 2000, yo, avant année 2000, T-Vice était un style qui était pour parler. Donc, l'obtention de T-Vice, ou qui t'a connu que c'est T-Vice qui a joué. Même si T-Vice, Doz, Sweet Mickey, et Top Vice, tout, jazz a été presque joué dans le même registre. Mais, 2000, 2001, 2002 jusqu'à 2005, ou après des Sivaz, ou on est Sivaz qui a joué. Mais qu'on y a, ou après des albums Sivaz, ou bien l'impression que son population de tout jazz et qui a mené. Donc chaque grande musique a reflété, il y a un jazz qui a mené. C'est-à-dire, autant de musique ça, on sent que c'est New Look. Autant de musique ça, on sent que c'est harmonique. Autant de musique ça, on sent que c'est Jaco. Donc c'est ça que je me reproche, n'est-ce pas, qu'on y a. Pour moi, c'est ça tout qui fait tout que, et plusieurs albums que n'est-ce pas, qui marché. Parce que l'originalité que tu vas essayer de gagner, tu vas construire un cartel pour l'antigène influencé par l'autre jazz qui a venu. Parce que jazz, c'est une originalité déjà. Donc, là, au fond, bagaille, public a connaissé yon fait pour suivre lui. Donc, qui est différent de tu vas. Donc, harmonique et avec Gabel, on peut aller ça, gagner un bac qui suppose sortir l'album tout. Gagner et Woody Woodboy qui suppose sortir l'album tout. Et puis, il y a un gros artiste, femme, bel talent, et Felicia Ross qui supposait sortir un album ni année ça tout. Donc, je pense que l'année 2022 a soit une année riche et musicalement. Donc, est-ce que c'est une production qui a opéré? Nous ne connaissons pas, mais quand même, il y a un pile album qui a sorti, il y a un pile musique qui a sorti. Et on a remarqué tout, tellement les productions jazz et comparé les films, je vais essayer de faire dernier point ça parce que je vais le finir. Nous rendons compte que artistes solo viennent commencer à représenter une menace pour jazz. Parce que nous voyons ça qui se passe là, nos programmes qui ont fait aux États-Unis avec Vague la vie.
Donc, public l'a demandé, pour bas au vague la vie. Pendant ce temps que classe, t'as supposé à jouer. Donc, peut-être que ça a besoin que, pour qui ça, et vague la vie, c'est du son artiste solo, donc classe son go jazz. Donc, comment public a fait demander et vague la vie, et puis a dit, il pas besoin de classe. Donc, c'est parce que, et production jazz, yo, non seulement baissé, mais classe pas grand avec 9 cap marche et tout. Parce que quand il y a la dernière fois classe sorti album, ça peut être bien 3 ans, 4 ans. Donc, classe pas grand 9 cap marché. Donc, public là commence à fatiguer avec tant de classe cap jouer de temps en temps, cap jouer même musique, yo. Même musique qui t'est passée, yo. Donc, vague la vie fait que vin sou yo là, vague la vie tout neuf, donc c'est évident que c'est vague la vie à demander. C'est pas que pas besoin de classe, vague la vie au besoin, non. Donc, c'est pour moutou tout que problème qui gagne et avec monter artiste solo et puis jazz. Mais qui vient faire tout, monter en son bail temporaire. Il gagne pas c'est que artiste solo va vraiment déranger les groupes musicaux. Parce que artiste solo a, il oublie de sortir musique et de temps en temps. Parce que si artiste solo a fait trop mal de sortir musique, monde presque pas attendre là encore. Nous avons un exemple avec deux artistes là. Woody Woodboy fait quelque temps le bâton de musique. Mon amour de côté Woody Woodboy passé. Wanito là, c'est peut-être sur Instagram là, fait si blague, mettez si photo, fait si blague, qui fait mon connaît ni toujours là, mais en termes de production musicale, mon pas Wanito encore. Donc c'est ça qui vient poser problème. Et c'est ça tout qui n'est pas tellement un bon handicap pour jazz et pour groupe musical. Mais cependant, nous sommes d'accord que dans ce moment là, artistes solo vraiment dérangé groupe musical. Donc, l'opéra Medjine avec Kadila comme ils ensemble, ils fait autant de monde que si tu mets en classe look, et ensemble. Il y a monde qui va d'accord avec, mais c'est un fait. Donc, regardez quand c'était monde qui a payé le programme et Medjine Kadila. Oui, c'est vrai, le programme pas même, puisque jazz compare au jeu plus cher. Vous comprenez ça à tout. Mais même l'autre mettez avec même prix, artistes solo, ça a toujours plus de monde qui vient là-dedans. Parce que moment, c'est au cas produit musique, c'est au cas fait musique et pour le public là. C'est la musique que vous avez consommée, donc c'est où vous attendez. Donc, il y a plus de monde qui marche dehors que l'autre groupe musical. Donc, c'est là qu'on a campé pour aujourd'hui. Hein. Merci tout le monde qui t'a regardé le live là. Merci avec Kenley qui t'a fait manœuvre technique là. Dalens qui t'a géré son pour nous. Merci tout le monde. Et à la prochaine pour l'autre séance et le moment pas. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Moi, content de retrouver nous. Et pour présenter nous, émission Moment PAM, c'est toujours présentateur nous, Carl Saint-Cyr, qui est ensemble avec nous pour présenter nous, émission PANOA. Émission, ça que moi fait sur la plateforme Fernando Simea. Et il y a une émission qui passait du lundi au vendredi. Et sur la plateforme Fernando Simea, sur la chaîne YouTube Fernando Simea. Et pendant le moment, ça nous avons remarqué que nous pas tellement ouais. Et émission Moment PAM est sur la plateforme là, donc nous avons une petite pause. Donc nous décidons de retourner pour venir servir vous, pour venir partager et ça nous connaît ensemble avec vous, pour venir parler ou de et sujets qui certainement nous connaît, qui sont capables d'intéresser vous. Donc d'abord, je vous remercie pour fidélité nous avec les plateformes Fernando et Simea et merci tout pour fidélité nous avec l'émission Moment PAM. Donc, donc, on connaît ni et pendant une semaine ça, donc pendant pratiquement une semaine ça a commencé là, c'est carnaval. Et nous connaissons carnaval qui rentre dans la tradition nous. Et chaque année, chaque commencement année, et toujours gagné carnaval et en de pays. Et nous connaissons tout carnaval là, c'est une plus gros et manifestation culturelle et que nous capables de dire qui gagne en Haïti parce que carnaval. Et c'est une manifestation culturelle qui est en Haïti qui compte parfois mener un pile étranger et venir dans le pays. Mais malheureusement, depuis quelques années, le carnaval là vient pas qu'à fête et j'ai été compte fête avant. Donc, tradition, ça, son tradition presque perdue pour ne pas dire qu'elle est allée net. Et parce que depuis quelques années là, nous rendons compte que nous avons fait carnaval dans le pays. C'est pour ça que nous presque qu'à parler de lui à cause de problèmes politiques. Et deux dernières années, ça a été gagné. Et COVID-19 qui était entré en ligne de compte. Mais il y a un aspect qui dérange le carnaval la plus. C'est tout politique qui a gagné pendant plusieurs années dans le pays. Parce que nous connaissons que depuis quelque temps, le carnaval a vint pour un outil politique. Donc,
en pile événements culturels dans le pays, nous faire retourner les outils politiques, nous utiliser pour nous faire propagande politique, fête patronale qu'a fait à travers le pays, a retourné comme outil politique, n'est qui député, n'est qui magistrat, il servi avec événements culturels pour faire capital et politique, yo, même gens, et n'a fait pour carnaval là, et c'est pas pour sans raison, ouais, même l'État haïtien, et on s'y en réticent pour le bail service, non, c'est de l'autre domaine, non, c'est de l'autre besoin social que la population et les gagnants. Mais quand il s'agit de carnaval, et nous trouvons que M. Damien toujours avant-garde pour faire événement ça au marché. Donc, malheureusement, et année ça, et tant que l'autre année qui se passe, et nous voyons comment événement et carnaval sont passés. Donc, le gouvernement a annoncé qu'il a, dans un premier temps, qu'il a fait carnaval. Donc, il a dit qu'il n'a pas fait carnaval encore. Il a permis que ensemble commune qui a voulu organiser carnaval la caillou pour organiser carnaval. Mais moi, je me suis critique et sur question ça à tout. Sur question commune qui a organisé carnaval, parce que je regarde plusieurs communes qui ont fait carnaval. Il y en a eu ma qui me fait. Donc, il y en a un problème que moi gagne. C'est que moi, commune, en plus de fois, a essayé copier ça qu'a fait Port-au-Prince dans ça qu'il y a vendu, dans décor, dans déguisement. Et par exemple, si je regarde un carnaval qui a fait Gonaïve, qui a fait Hinche, donc je ne suis pas obligé de déguisement ensemble avec déguisement qu'on a fait Port-au-Prince déjà, ou bien déguisement qu'on a fait Jacmel. Bon, Jacmel est plus ou moins originalité dans la question ça. Donc Jacmel son référence en termes d'esthétique, en termes d'image, Jacmel son référence. Mais nous avons même les gens de l'autre commune qui ont organisé le carnaval dans le pays, pour comprendre la nécessité que. Et ces images communes, ces habitudes pratiques et qui gagnent dans la commune, ça ou gagne comme coutume, c'est au même pour vous. Parce que moi, si je me déplace mal dans le carnaval, et par exemple, pour 95% images qui m'a regardé, donc c'est des images qui reflétaient et réalité. Donc, les m'a regardé pour m'a posé question sur lui, pour me dire que ça et qui vient de barrer que lui. Donc, je pense que c'est ça et qui est important. Et c'est là que je pensais que je pouvais être critique par rapport avec Carnaval qui a fait en province. Mais Port-au-Prince, pendant 3 jours, puisque aujourd'hui c'est le troisième jour, il y a un chat qui sorti. C'est DJ, pas quoi, il y a un groupe musical qui sorti Port-au-Prince. C'est plus chat et DJ qui sorti. Je crois Tony Mix est sorti. Je crois DJ Cash Cash est sorti. Il y a de l'autre chat DJ qui sorti. Donc, regardez. Et moun ki pral pran plis malgré problème insécurité, malgré kidnapping et malgré tout et ça nous connaît qu'a passé dans le pays a, mais moun yo obligé sorti al défouler quand même. Moi grand pile moun et qui pote critique avec ça, qui dit que moun yo et pas dû al nan carnaval. Et oui, m'ka comprendre et question sécurité et question route kidnapping tout ça yo et poser petit problème. Mais là, nous avons des gens qui concentrent la caillou. Parce que depuis quelques années dans le pays, je me suis dit ça dans l'émission, ça, depuis quelques années dans le pays, ça que nous avons les loisirs, il n'y a presque pas existé en Haïti encore. Donc, nous n'avons pas sorti à le divertir encore. Donc, le principal loisir qui est en Haïti, là, c'est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qui sont espaces virtuels qui transforment en loisirs pour nous. Donc, c'est sur les réseaux sociaux qu'on les gens, lorsqu'ils sont à la caillou, plus que par exemple, on regarde la télévision, car on a un téléphone Android. Regardez ça qui a passé sur Facebook, ça qui a passé sur Instagram, ça qui a passé sur TikTok. Donc, c'est ça pratiquement qui a amusé Mounio. Donc, ça fait conseil de Moun qui est relativement populaire sur les réseaux sociaux qui a critiqué, yo, façon qu'il a vendu et tête, mais façon qu'il a vendu ça, qu'il a vendu. Il y a Moun qui a critiqué, qui dit que c'est débat trivial. Oui, je comprends, mais faut nous connaître que les réseaux sociaux ont vu changer. Et habitude en pile monde à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti. Donc en pile pays pour y a et c'est deux émissions, c'est deux shows qui plus tourner vers divertissement que moun yo plus garder. Et c'est pas seulement en Haïti, moun yo regarder une série de shows, pas besoin de citer nous, mais c'est pas seulement en Haïti que moun yo regarder. Donc nous pas tant qu'on était dans le 20e siècle, côté que nous t'ai nous t'ai notre temps littéraire, côté moun t'ai plus intéressé pour yo lire. Mais qu'on y a là, données ont changé. Et nous comprenons tout que la société a, et n'est pas statique, elle est dynamique, donc elle a appris à évoluer. Donc c'est de jour en jour, il y a de nouvelles habitudes, et qu'il y a de nouvelles pratiques, de nouvelles coutumes qu'il y a entrées, et la caille. Donc, ce qui vient faire que, en Haïti, les gens qui sont à la caille,
et li pa ka sorti. Donc li pa ka décider là, il a quitté Caribou son place publique pour faire 2 heures de temps chita pour le bon divan. Il vient faire que mon nom, c'est là qu'elle est rete, donc pas un courant pour regarder télévision. Donc faut qu'il bon bagage pour le divertir. Bon, après mon cap garder là, bah là ou elle dit que mon nom fait sexe, mais sexe là c'est pas seule option gain et pour mon divertir. Donc il y a de l'autre bagage tout. Donc faut mon nom ka recréer lui. Donc et ça li bon pour santé mentale li tout. Donc l'autre ou bon en situation son pas sorti. Donc ce téléphone comme espace virtuel qui vient transformer en loisir. Donc qui vient faire que pendant ce maintenant si y a deux monde qui décide d'aller défouler yo et shot mass, au moins c'est pas un mauvais bagage, sauf que nous avons toujours demandé pour faire prudence et nous avons toujours demandé pour veiller et pendant qu'il y a sorti, mais nous pas prendre pour mauvais bagage parce que y a des monde chaque dimanche qui sorti à l'église qui ça que le soir c'est là qu'à ou pas l'église et il pas kidnapper qui va les monde qui va l'église que kidnapper pasteur le charémi. Ils sont kidnappés là, c'est pas la Cali qui est le brûlant. Donc, on va nous comprendre que c'est parce que nous sommes la Cali qui ne va pas kidnapper nous. Parce que grand pile monde, c'est la Cali qui est le brûlant. Donc, c'est pas dans le carnaval qui est kidnappé. Donc, c'est la Cali qui est entré au brûlant. Il y a deux monde, c'est dans la zone la Cali qui est au brûlant. Il y a deux monde, c'est bon place publique qui est au brûlant. Donc, qui vient faire que soit garder et soit mesurer. Et question de prudence dans le pays, je pense que c'est eux qui ont fait avec tout. Donc, je ne vais pas dire pour la récolte dans l'arrière à n'importe qui, gens, sans qu'on ne pas garder et qui mal le carreau. Mais dans la condition que nous avons vécu pour nous là, oui, prudence en l'idée mise, mais est-ce que nous avons été concentrés donc quand ça n'a pas sorti? Ça, je ne sais pas que nous avons fait. Donc, et mais tout, je pense que ça n'est les traditions en Haïti, nous n'avons pas trop de respect pour eux. Et ça paraît symbolique pour nous n'avons pas trop de respect pour eux. On a regardé les journées nationales comme de très souvent au passé. 18 mai, 18 novembre, 7 octobre, nous souvent comme au passé. Donc, je pense que par rapport avec la fierté nous comme peuple, par rapport avec ça que nous faisons déjà dans l'histoire, nous, je pense que c'est une série de bagages, on va jouer avec eux. Je pense que c'est une série de jeux symboliques dans le pays. On va politiser eux pour quitter le passé. J'aimerais qu'il y ait passé là. Parce que l'année à 365 jours là-dedans, nous n'avons pas qu'à dire que nous avons fait manifestation, mais en plus, fois, c'est un jeu symbolique, c'est un jeu important. Nous avons toujours choisi pour nous dire le mode, mais qui ça nous a fait, mais qui ça nous a fait pas bon. Donc, qui pour moi, c'est un mauvais bagage. Donc, pendant 3 jours et carnaval là, dans la capitale là notamment, et jusqu'à présent, moi pas de gros incident par rapport avec tout le monde qui est victime. En fait, je ne suis pas pour devant. Alors, même si je ne parle pas pour Joseph, parce que je dis à carnaval là fini, je ne sais pas qui ça a passé, mais jusqu'à présent là, et on dirait que le monde est fait bon enfant. Certainement, il y a des gens qui sont victimes, il y a des gens qui sont blessés parce que c'est carnaval. Donc, le carnaval là, il y a une logique pour être là-dedans, tout. Je ne vais pas ignorer ça. Mais jusqu'à présent, nous partons de gen gros incident côté gen moun ki mouri, gen moun ki blessé et dans carnaval. Donc, c'est en gros, c'était ça que me devais parler avec nous de activité carnavalesque qui gagne pendant commencement semaine dans le pays. Et puis, et nous te souhaité fonti parler nous tout de quelques jazz qui sorti album et pendant moment ça yo, Harmonique et sorti album ni. Et Gabel, sorti album et tout. Donc, Harmonica Gabel, c'est pratiquement deux jazz qui semblaient. Et ce n'est pas semblé dans la caractéristique ou bien dans off musical qu'il y a, non, mais c'est deux jeunes et groupes musicaux. Pour Gabel, c'est en 2006 qu'il a fondé Harmonique. Et c'est presque même année à tout, même époque à tout. Je ne sais pas exactement parce que Harmonique, il a 14 ans pour année ça. Gabel, il a 16 ans et année ça. Et yo presque même force et album et Harmonique son 5e album ni là, donc dernier album que Harmonique sorti là c'est 5e album ni album qui gagne 13 titres et sous lit album dans les maturité pas connait si gagne nous qui t'en déjà moi m'étais commencé à dire quelques musiques sous lit gagne tire remarque que moi fait que moi partager avec tout à l'heure et puis gagne Gabel qui sorti album ni qui relé béni et qui gagne plus qu'une dizaine titres et sous lit gagne deux artistes et tant que Richel qui participait là-dedans, puisque avant l'on a sorti, monsieur a sorti son musique avec Richel qui est le nouveau comparé.
Donc, malheureusement, la musique là pour faire ça, lui faire par rapport avec non seulement la dimension et jazz et puis la dimension et artiste et qui feature non, parlant de Michel, parce que qui trouve que Pavel, Michel, c'est artiste moment, c'est un artiste forme qui impose l'inan et HMI là. Donc, l'on artiste pour Michel pour un chacun ensemble avec vous, donc vous gagnez déjà 60% chance pour la musique là, l'involve pour la musique là faire succès. Donc, et qui vient faire que, et malheureusement, nous connaissons ça à tout, les jazz ont sorti l'album. Donc, il faut que vous regardiez si pas bon bagaille, et si pas bon bagaille qui pourrait le faire, si pas bon, on sort d'événement qui pourrait le passer, qui a fait mon yo, manquer focus et sur l'album. Non? Et je ne sais pas si l'album harmonique là, et l'album Gabelle l'a sorti dans le mauvais lieu, parce que dans le moment là, et presque ça qui est bien actualité, c'est ça qui a passé. Et en Europe là, et précisément en Russie et avec l'Ukraine, et c'est ça qui est bien actualité, c'est ça qui est bien débat qu'on y a. Donc, qui vient faire peut-être que c'est mon propos et focus sur l'album et harmonique là. Alors, on l'a sorti un petit peu avant ça, mais l'album harmonique est venu sortir tout récemment là, quoi, c'est dans la semaine et qui sort, dans la fin de semaine qui se passe, l'album a été sorti. Et sur l'album harmonique là, il y a deux artistes, deux jeunes artistes et très populaires que nous connaissons participer sur lui. Et il y a Pierre-Jean qui participait sur l'album Chanton Musique et avec Magdi. Il y a Danola et il y a un jeune artiste et femme qui a un pile talent et qui fait succès tout avec un pile musique que nous connaissons déjà, qui participait dans l'album. Et nous pouvons gagner méchanceté des rappeurs et qui participait dans l'album tout. Qui vient faire que, mais moi, remarque que ma fait sur l'album, surtout avec les collaborations. Et me senti, on ka peut-être pas gen raison, mais me senti que monsieur yo prend collaboration avec un pile de légèreté. Monsieur manqué préparé et musique et qui adapté avec monde qui a artiste qui a collaboré ensemble avec lui. Parce que me donne ni musique qui a fait avec Danola, ni musique qui a fait avec Pierre-Jean. Pour moi-même, moi senti que mal utilisé talent ça dans musique. Parce que oui, c'est vrai, rapper sur une musique Dima dans l'autre talent, Dalen, quand on m'a parlé à bien, Dalen, c'est rappeur, Dima dans l'autre talent, donc, et Master Brand, et monsieur excellent, et nan bah ça, Wenzi, comme rappeur, et monsieur excellent, nan bah ça, donc, et pas n'importe rappeur qui apprend son musique compas, donc, pour penser qu'il a passé bien, donc, ça, Dima dans l'autre talent, et certainement, donc, et Fantôme fait plusieurs expériences dans la musique et compas déjà, et ça passe pas trop marché. Donc, bon, mon abalab là qui dit isolant avec Karimi. Oui, isolant Karimi, c'est ton cas. C'est vrai, dans l'époque là, tout. Et pour qu'on ait tellement rappeurs qui tape monté. Donc, époque là, c'était Barricade, c'était Wokfam. Pas tellement de tout talent, ça. Et non, rap créole là, dans HMI là. Donc, oui, isolant, t'es fait un bel succès avec et en musique Karimi. Je crois que c'était Kitanago, si je ne me trompe pas, si je me trompe, et monsieur a éclairé en témoin. Mais, rapper sur musique compas, il m'a donné l'autre talent. Et c'est ça, je remarquais dans la musique harmonique, chante avec. Alors, dans la musique, et méchanceté, chante sur l'album harmonique. Je me sens que monsieur a bien exploité les talents méchanceté. Donc, ce n'est pas juste compas passer là, et puis il a venu, il mettait deux, trois bassos, et puis c'est fini. Parce que bon, gens pour entrer dans la musique là, bon, gens pour faire mon. Et qui pourra détendre des musiques là, qu'à chanter le bien facile. C'est ça qui est important. Et puis, Dano là, tout. Et pour moi, je me sens mal exploité Dano là sur l'album. Non? Parce que vous ne pouvez pas oublier Dano là, un style musique et que l'a chanté. Donc, soit mettez Dano là sur musique compas, mais c'est parti par là, tu as dû adapter avec style propre, style original. Tu as dû adapter avec ça. Pour Mounio, où est-ce que c'est Dano là qui a chanté? Idem pour Pierre-Jean. Donc, et si nous faisons une comparaison entre l'album harmonique qui fait déjà yo, avec sa sortie là, yo, bon, comme l'album dans l'effet sorti, donc ça prend des temps pour nous apprécier la musique, yo, pour nous connaître texte. Mais, et dernière production que harmonique te fait, je parle avant dernière production harmonique te fait, parce que c'est ça que dernier. Donc, je sens que la production est libérée. Non seulement libérée dans le côté musical, mais libé c'est tout dans côté texte. Parce que l'obtention de musique incroyable, l'obtention de négocier, l'obtention d'exister, de, pour une musique concernée, Nickenson te chanter,
Donc, l'apport des musiques, c'est avec ça qu'on a pas découvert, on a senti et niveau production de jazz en baissé. Et c'est, je ne sais pas si c'est si marché pressé, parce que année ça a grand pile gros jazz qui va sortir album. Donc, il y a Zarfem qui va sortir album, il y a New Look qui va sortir album, il y a Class qui va sortir album. Donc, l'organe jazz ça va sortir album, c'est gros ténor qui y est. Donc, ou même, ou obligé de faire un genre là, pour qu'il y ait un pour le public là, habitué à elle. Mais, ça que on monde qui a reconnaître la et harmonique, et ni Gabel tout, c'est que deux jazz ça yo gagné un style propre à eux-mêmes. Donc, l'obtention des Gabel, l'obtention des harmoniques, ou qui t'a connu que c'est yo l'obtention. Contrairement avec conseil de l'autre jazz, par exemple, Sivaïs. C'est le problème ça que je toujours gagné avec Sivaïs. Sivaïs et année 2000, après année 2000, yo, avant année 2000, Sivaïs était un style qui était propre à lui-même. Donc, l'obtention des Sivaïs, ou qui t'a connu que c'est Sivaïs qui a même si Sivaïs, Doz, Sweet Mickey, et Top Vice, tout, jazz sorti presque joué dans le même registre. Mais 2000, 2001, 2002 jusqu'à 2005, on entend des Sivaz, on sait Sivaz qui a joué. Mais quand on entend des albums Sivaz, on a l'impression que son population de tout jazz et qui a mené. Donc chaque grande musique qui a reflété, il y a un jazz qui a mené. C'est-à-dire, autant de musique ça, on sent que c'est New Look. Autant de musique ça, on sent que c'est harmonique. Autant de musique ça, on sent que c'est Jaco. Donc c'est ça que je reprochais. Pour moi, c'est ça tout qui fait tout que. Et plusieurs albums que nous avons fait le marché. Parce que l'originalité que tu vas essayer de gagner, tu vas essayer de cartel pour l'entité influencé par l'autre jazz qui a venu. Parce que jazz a une originalité déjà. Donc, les gens font des bagages, public qui a connaissé, ils fait pour suivre lui. Donc, qui est différent de tu vas. Donc, harmonique et avec Gabel, on peut aller ça gagner un bac qui suppose sortir l'album tout. Gagné et Woody Woodboy qui suppose sortir l'album tout. Et puis gagné un gros artiste femme, bel talent et Felicia Ross qui suppose sortir l'album ni année ça tout. Donc on pense que l'année 2022 a soit année cap riche et musicalement. Donc est-ce que c'est de production cap opère? Nous pas connaît, mais quand même, il y a un pile album et cap sorti, un pile musique et cap sorti. Et n'a pas remarqué tout, tellement les productions. Jazz et comparé au levier, m'a essayé de faire dernier point ça parce que le fini. Nous rendons compte que artistes solo viennent commencer à représenter une menace pour jazz. Parce que nous, ça se passe là, non programme qui t'a fait États-Unis avec Vague la vie. Donc, public l'a demandé pour bailler Vague la vie. Pendant ce temps que classe a supposé à jouer. Donc, peut-être que ça a besoin que pour qui ça et Vague la vie, c'est juste son artiste solo. Donc, classe en gros jazz. Donc, comment vous pouvez faire demander et Vague la vie et puis dit, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de classe. Donc, c'est parce que et production jazz, yo, non seulement baissé, mais classe pas grand avec 9 cap marché tout. Parce que quand y a la dernière fois classe sorti album, ça peut être bien 3 ans, 4 ans. Donc, classe pas grand et 9 cap marché. Donc, public là commence à fatiguer avec tant de classe cap jouer de temps en temps, jouer même musique, yo, même musique qui était passée. Yo. Donc, Vague la vie fait que vin sou yo là, Vague la vie tout neuf, donc c'est évident que c'est Vague la vie à demander. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de classer Vague la vie, il y a besoin, non? Donc, c'est pour Mouto tout que le problème qui gagne avec monter artiste solo et puis jazz, yo. Mais qui vient faire tout, monter en son bail temporaire, il n'y a pas que artiste solo va vraiment déranger les groupes musicaux. Parce que artiste solo a, il oublie de sortir musique de temps en temps. Parce que si artiste solo a fait trop mal de sortir musique, il ne peut pas se faire entendre encore.